dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Bonjour, voici la vidéo 2 des questions-réponses. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions, forcément sur notre page Facebook. Elles sont là et nous allons maintenant y répondre. Question de JF. Quelle est la plus grosse bêtise que vous avez faite enfant? Mélanie? Moi, j'étais hyper sage, à part manger les araignées. Ah oui, bah ça va alors. Non, mais c'est tout, non, c'est pas... Et manger les lapins qui courent dans la forêt. Moi, ma plus grosse bêtise enfant... Ah, j'ai balancé une boule de pétanque sur mon frère. Aïe. Eh oh, la mangeuse d'araignée. Question de Cynthia. J'aimerais connaître votre planning pour une journée de boulot. Ça commence à 6h, mais ça ne finit pas à 9h30. Bon, ça dépend. Alors déjà, ça ne commence pas à 6h, ça commence avant. Oui. Non, c'est vrai. À 5h, il y a Mourad qui arrive. Ouais, j'arrive, j'imprime un peu tous mes papiers, je prends un café quand même avec Mélanie. C'est je mets tout en place dans le studio, je branche les ordinateurs, je regarde les micros, tout voilà. Voilà, il règle tout. Ensuite, nous, on arrive plutôt à la cool vers 6h-10. On dit, oh, c'était sympa, c'est machin. Et on démarre à 6h-5. Oui, on démarre à 6h-5. Parce qu'à 6h-5, il se passe quelque chose. Avant de démarrer l'émission à 6h, mais... Alors, il y a une question de Stéphanie. Quand vous êtes en vacances, vous aimez partir où? Oriane? Là où il y a du sable, du soleil, un transat, c'est pas très compliqué. Nicole Webb? Je vais par chez mes parents tout le temps. Ils sont dans le sud de la France, il y a du soleil, il y a un frigo rempli, donc c'est cool. Très bien, donc là on part en fait en vacances, là où on a rien à foutre. C'est vrai. Alors attention, on a une bonne question d'Emeline. Si vous étiez plus que tous les 5 sur Terre, avec quel autre membre auriez-vous une relation sexuelle? Pour reprendre l'espèce. Oui, les 5. Ouais. Les 5? Bah alors, t'es plus que 5, tu tournes. Oui, mais moi Nico, on va pas reproduire l'espèce. Ah. Tu dois en choisir un de nous 3. Bah Oriane. Mais pour reproduire l'espèce? Ah, oh merde, je suis flattée. Attends, tu préfères Oriane avoir une relation sexuelle avec Oriane qu'avec un de nous 3? Bah t'es gentil. À la rigueur, les mecs que je connais, je préférais découvrir quelque chose avec Oriane, oui. Et oui. Toi? Bon bah Mélanie, du coup c'est hyper embarrassant. Ah non, t'es obligée. En gros, si jamais il reste plus que nous 5 sur Terre, il y aura plus personne. Parce que les deux, elles se bouffent les chattes. Quête. Elle est bonne. Cathy nous pose une question très sérieuse. Êtes-vous sportif? Et si oui, qui fait quel sport? Alors moi je fais du tennis, pour de vrai. Parce que moi en fait le sport il me faut une balle. Si j'ai pas de balle, je suis comme un chien, je m'emmerde. Mélanie? Moi je fais du sport tous les jours. Fitness, yoga, pilates, voilà. Et donc pas de sport? Si, c'est du sport. Oriane? Ah lol. Alors... Erratum. Ouais, je fais... Ok, je ne fais qu'un seul sport, mais je le fais très bien, c'est je vrai. Nage. Et quand je nage, je nage pas 20 minutes, c'est je vrai, nage c'est au vrai. Moins une heure. C'est quoi? C'est incroyable. Mais alors, je peux pas courir après un bus en revanche, c'est impossible. Camille nous pose une question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de faire de la radio. Hey. Hello. Hello. Parce que quand j'étais toute petite, j'écoutais la radio le soir avec ma sœur dans ma chambre, j'avais 5 ans. Je prenais même des courgettes dans le frigo de mes parents pour faire mon émission. Et non, pas mon bien émission. Sûr. Peux-tu nous remontrer, nous remémer comment tu faisais ton émission avec la courgette? Je prenais... c'est chiant, parce que c'est une vraie histoire hyper mignonne bien en sûr, plus. C'est tout chiant. Je prenais des courgettes et j'animais à plusieurs, mais avec moi-même, une émission de radio quand j'étais plus jeune. Et je n'avais pas de quoi me payer des micros, et aujourd'hui, j'ai des vrais micros à la place des courgettes. Voilà. C'est très touchant. C'est mignon. Et ben moi, je faisais pareil. J'avais une cuillère, et je mettais du papier d'aluminium dessus, et je parlais avec dans la cuillère avec mon papier d'aluminium. Et quand mon frère, j'avais un grand frère qui m'emmerdait, et il rentrait, il disait « Ouais, c'est nul !» Et ben je disais « Excusez-moi, chers amis auditeurs, c'est mon frère qui rentre dans la chambre. » C'est vrai, c'est histoire vraie. Question d'Hassan. Où trouvez-vous l'argent pour doubler le salaire de vos auditeurs 3 fois dans la matinée? Ah bah c'est très simple, c'est la pub. Toute la pub que vous écoutez le matin, souvent vous dites « Ah, oh, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de pubs. » Et bah en fait, ça sert en partie à vous doubler votre salaire tous les jours 3 fois chaque matin. On aime la pub, vive la pub. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour une deuxième vidéo de questions-réponses. Évidemment, il y en aura... Pourquoi tu rigoles? D'accord. Il y en aura une troisième très bientôt. Et merci pour vos questions. Et à très vite. Comme dans toute vidéo, il faut toujours un bêtisier. Mais là, comme on n'a pas vraiment fait de conneries, on va faire un faux bêtisier. Ah, ok. Question de caca. Caca. Autre chose. Question d'Alain. Est-ce que vous aimez vous manger entre vous? C'est rigolo. Ensuite, une question de... Oh, oh, c'est ça, direct. La chute. Bêtisier. Caca. Arrête, Manu dans le 6-9. Énergie.